de toutes les mobilités. Nous sommes installés au Maroc pour nos activités aéronautiques depuis 2007. Et Hutchinson sert aussi l'automobile et nous avons à Tanger deux usines automobiles qui servent nos grands clients automobiles. Cette usine de Casablanca est pour nous très importante dans notre écosystème puisqu'elle vient servir nos plus grands clients aéronautiques avec des pièces très techniques qui sont fabriquées dans les règles de l'art de l'aéronautique. Nos clients d'ailleurs, nos grands clients Airbus et Boeing sont présents aujourd'hui à nos côtés et je les remercie. Hutchinson, c'est 12 millions d'investissements ces dernières années, 12 millions d'euros évidemment, presque 400 emplois qui vont être créés ou qui ont déjà été créés, dont plusieurs dizaines de cadres donc, et une population à 50% féminine, on est très fiers de ça. Hutchinson, c'est aussi un groupe qui est présent dans le monde, partout dans le monde, des États-Unis à l'Amérique du Sud, et qui est essentiellement dans l'aéronautique, la défense et l'automobile, et qui compte évidemment se développer énormément au Maroc, grâce à la politique très accueillante du Royaume du Maroc, aux compétences qui sont disponibles en local. Nous sommes extrêmement ravis de voir que ce secteur, à la pointe de la technologie, continue à se développer au Maroc avec des résultats très satisfaisants. La plateforme aéronautique marocaine compte à ce jour plus de 142 acteurs, dont les plus grands noms de l'industrie aéronautique marocaine. Il emploie plus de 20 000 personnes avec un taux d'intégration locale de plus de 40%. Ce projet, installé aux standards internationaux, va permettre d'accompagner l'élan du développement du secteur aéronautique marocain avec le renforcement de l'intégration locale.